Quand on est au pouvoir, on est le père de la nation. Quand on est au pouvoir, on rassemble toutes les filles et les fils de la nation. Quand on est au pouvoir, on était rassembleur. Mais Alassane Ouattara est le diviseur commun. Soutou Soul a passé 7 ans en prison. La première fois, 2 ans. Et, n'est-ce pas, la deuxième fois, 5 ans. 2019-2024. Soutou Soul a combattu pour M. Ouattara. Il a combattu qui? M. Babou Laurent. Aujourd'hui, sorti de prison, Soutou Soul, le président Babou Laurent envoie une forte délégation pour aller le saluer. Il décide d'aller saluer son père et lui dit merci avec sa mère. Au cours de cette rencontre, le président Babou Laurent fait beaucoup de révélations. Écoutez pendant 14 minutes le président Babou Laurent qui reçoit Soutou Soul. Ce que Alassane Ouattara devait faire, ce que le RDR devait faire. On écoute ensemble, partagez. Merci. Merci, monsieur le président. Soul nous a dit que, bien qu'Alaï, vous avez par personne interposé, lui envoyer des messages en lui demandant de tenir bon, de tenir bon et de tenir bon. Aujourd'hui, sorti de prison, alors qu'il essayait de constituer une délégation pour venir vous dire merci, vous l'avez encore devancé avec une forte délégation du PPAC, conduit par des éminents cadres, dont le ministre Gatinam, vos directeurs de cabinet et bien d'autres, pour aller lui dire Yako, s'enquérir de sa santé et lui remonter le moral. Monsieur le Président, vous ne vous êtes pas arrêté là. À l'appui de cette visite hautement appréciée, vous avez remis à Soutou Soul et sa famille une enveloppe conséquente pour l'aider à accueillir tous les visiteurs qui viennent le voir et surtout en ces temps de jeunes musulmans pour rompre son chemin. Cela lui a été droit au cœur, au-delà de ses attentes. C'est pourquoi, monsieur le Président, informé. Le président Guillaume Soukeba Farissoro, le président de GPS, n'est pas resté insensible à toute cette marque d'attention. Il a demandé qu'une forte délégation de son parti, de son mouvement, accompagne.
Le président Oufou-Boigny ne voulait pas au début, mais avec votre insistance, il a cédé. Quand on était en prison, je me souviens bien, en 95, avec Soro, Bleu Goudé, Drigoné Faya, le ministre Wassenaar Koné est arrivé en prison. Il dit, mais à cause de vous, Gbagbo crie le nom de tout le monde. On savait que vous veniez de parler de notre situation à la communauté des États européens. Et par cette intervention-là, les jours qui ont suivi, nous avons été libérés d'une prison extrêmement difficile. En 1997, j'ai été arrêté avec Soul Toussoul et bien d'autres camarades, Blé Goudé et autres. Et on devrait passer en jugement au tribunal de première instance d'Abidjan. On n'avait pas d'avocat. Mais le jour de l'audience, et Soul peut témoigner, on a vu se déployer des avocats, Maître Émile Dervin et autres, et on nous a soufflé que c'est le parti qui les a envoyés. Et ils ont plaidé notre cas, et le plus chanceux d'entre nous avait été Soul Toussou, qui avait été libéré après l'université. Chacun de nous a pris sa voie, et même vous, vous n'avez pas changé votre attitude, votre conception, votre amour devant tout le monde, en dépit de la position que chacun avait. Voilà. Et nous nous souvenons bien de cette tentative d'assassinat que nos amis, auquel nos amis ont échappé dans l'avion à Boaké. Nous vous avons vu vous déplacer sans protocole à la PISAM pour venir apporter votre soutien à votre fils qui revenait de loin, qui venait d'échapper à la mort. Excellence, Monsieur le Président, je suis très heureux, moi personnellement, parce que c'est un frère qui vient d'une épreuve extrêmement difficile et il reçoit encore cet amour filial de son père. Cet amour filial de son père. Ce n'est pas pour qu'il vienne dans votre parti. Non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas une séduction, ce n'est pas un recrutement, mais c'est votre nature. Et ce n'est pas la première fois que vous le faites. On se souvient bien que vous l'avez même dit à un journaliste émérite, George Benson, qui traversait des moments difficiles. Vous l'avez approché, vous avez manifesté votre humanisme et vous lui avez dit que je ne fais pas ça pour que tu viennes au FPI. Je n'ai pas besoin de toi au FPI. Je veux que tu restes dans ton parti, mais nous sommes tous Ivoiriens et nous avons besoin de nous soutenir et de vivre dans l'harmonie. C'est pourquoi je vais faire ça. Et je crois qu'il est aussi bon que nous, fils de Côte d'Ivoire, comprenions qu'il y a des thèmes autour desquels on doit être unis. On doit se mettre ensemble. À sa prise de parole, le président du PPACI a remercié la délégation du GPS d'être passé le voir. Concernant les prisonniers politiques, le président Laurent Gbagbo a rassuré ses hôtes. Pareil pour la question.
Et puis bon, moi j'ai regardé le congrès. Le congrès, ça ne m'intéressait pas. Mais comme Zoro m'a invité, et puis moi, je savais, je cherchais quelqu'un à la fin du congrès, j'ai dit, viens. J'ai dit, mais je cherche un jeune fils qui est FPI. Parce que je cherche quelqu'un pour qu'il devienne le président des jeunes de la jeunesse FPI. Il dit, mais il y a un seul ici. Il dit, c'est Picard, lui, là, il est FPI. C'est le seul qui m'a dit, il dit, Picasso, lui là il est FPI. Et puis il m'a montré celui qui était RDR, celui qui est devenu après président des jeunes du RDR. Hein? Voilà, il y a Yoro. Il dit, lui il est RDR. Picasso, lui il est FPI. Là, tu peux le prendre. Tu peux le prendre. Donc, c'était comme ça. C'était comme ça. Moi, c'est le rapport que j'avais avec les jeunes. En tout cas, je te remercie d'être là avec ta maman. Voilà. Maman, merci beaucoup. Il est là. Il est vaillant. Il est vaillant. Et il est en forme. Je vois qu'il est en forme. Je vous remercie, vous tous, d'être venu me saluer. Courage et puis continue ta vie politique, hein, continue à apporter beaucoup de joie à ta maman, à tes frères, à tes soeurs, à tes amis, à tes camarades. Si tu as des nouvelles de Dieu, je les salue. Pour marquer sa générosité au président Laurent Gbagbo, la mère de Souleymane Kamagaté a remis un présent au bienfaiteur de son